Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo grosse news aujourd'hui autour de trois ICO qu'on a présenté sur cette chaîne ça fait longtemps que je vous ai pas fait un euh, update et il se passe des choses autour de Merchant Token, Toolocall et, et du fait que ces trois ICO dont on a parlé et il y a des grosses news on va en parler tout de suite et maintenant on perd pas de temps Toolocall, donc ce projet autour de euh, du développement durable qui est sorti vous pouvez désormais recevoir euh, vos tokens et vous voyez c'est déjà sur un exchange c'est Bitrue vous pouvez vous pouvez aussi, ou Bitrou, je sais pas comment ça se prononce, mais peu importe, vous pouvez aussi l'échanger sur PancakeSwap. Ça s'est euh, affiché tout à l'heure. Donc c'est ça, Bitrou. Moi personnellement, je ne vais pas mettre mes tokens dessus parce que j'ai beaucoup trop d'exchange. Donc je vais attendre un petit peu. Et franchement, euh, le, euh, le cours a quand même pas mal dump avec ce qu'on vit en ce moment. C'est assez compliqué pour les crypto-monnaies. Donc moi, je vais le voir plutôt comme un projet à long terme. Je sais que c'est un projet qui a cartonné aux états unis euh, qui a été beaucoup suivi parce qu'il a quand même quelques années euh, et ils avaient pris beaucoup de retard. Nous, on s'y prend. Euh, au dernier moment donc c'est plutôt intéressant puisque ça sort tout de suite sur les échangeurs mais moi je le vois comme un projet à long terme donc je ne vais plus rien faire je ne vais pas vendre je vais attendre tranquillement l'autre projet important dont on a parlé sur cette chaîne c'est EduFex et ça y est vous pouvez recevoir vos tokens il faut rentrer cette adresse normalement l'adresse pardon normalement vous avez reçu ce petit mail qui vous dit qu'il faut rentrer l'adresse ici donc attention il y en a plusieurs sur la BSSCan on va regarder tout ça tout de suite euh, donc vous rentrez votre adresse trust wallet n'hésitez pas à les regarder les vidéos qui présentent comment je fais pour transférer les tokens pour récupérer votre adresse. Normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez aussi participé à d'autres ICO. Et vous avez déjà votre adresse Trust Wallet, qui, je vous rappelle, est toujours la même que ce soit BEP20 ou ERC20. Donc dépêchez-vous, vous avez une semaine pour rentrer euh, votre adresse. Et vous avez euh, l'adresse sur BSScan. Faites attention, j'ai remarqué qu'il y en avait deux. La bonne, elle commence par X0X2B. Euh, C'est celle que vous avez euh, reçue dans le petit mail. Euh, que vous avez ici. Donc, faites bien attention. Vous voyez, ils sont commencés en train de faire les transferts. On a déjà 316 adresses. Et le dernier gros sujet. L'ICO MTO qui termine à la fin du mois, vous pouvez encore y participer. Moi, personnellement, je pense qu'il est trop tard. Je vais quand même vous laisser le lien. Mais on a quand même eu cette, cette grosse news avec un partenariat sur les voitures électriques où on, on pourra payer en merchant token. La question à un million de dollars que tout le monde s'oppose, est-ce que le marché va dump Quand on voit ce qui s'est passé pour le Caps de Ternoa qui est sorti, on a eu un gros pump après un retour. Au vu de la situation, moi, je suis encore mitigé. Est-ce que je vais vendre Est-ce que je ne vais pas vendre J'en sais rien. Peut-être que 50% parce que la situation est assez complexe, mais si tout de suite ça rentre sur un gros échangeur, peut-être que ça peut faire pomme le marché comme Coinbase ou, euh, ou, ou Binance. On va voir, mais franchement je suis encore mitigé sur ce qu'il faut faire. Je pense quand même qu'il peut y avoir soit un peu and dum, soit un dum tout de suite, puisqu'il y en a qui ont acheté vraiment pas cher comme moi à 24 centimes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. et N'hésitez pas à vous abonner et à rajouter un petit pouce et à bientôt.